tout autant que Link et Xelo. On ne sait pas voilà. pourquoi, mais c'est un fait. Hashtag mercenaire. Ils l'ont recruté pour 3 pièces d'or. pour 3 pièces d'or, et histoire qu'il s'achète une petite monture. Exactement. Donnez-nous vos deniers. Eh bien, premier round. Premier round, voilà. Allons-y. De ce top 8. Donc, petit rappel en FT3 pour être sûr. Voilà, on est dans le top 8. Alors, Jurléo, donc, qui commence très très bien là, ce début de match là, face à Link et Xelo, là, qui l'a complètement pressé dans le corner. Le stun qui est montré très très haut là, qui est Link et Xelo, qui a su trouver les bons, les bonnes choses à faire justement pour sortir de ce pressing face au Ken. Voilà, qui est bon reversal là, de battre Link et Xelo, là, qui remet. Un double touche là sur l'air shop là. L'air shop. Je dis vraiment n'importe quoi. Allez, on se reconcentre un petit peu. Voilà, bonne entière pour Link et Xelo. Voilà, le stomp qui touche le Ken. Voilà, à peu près égalité à la vie là. Mais c'est Nekali là qui gagne là avec son V-Trigger là qui le booste un petit peu. Ils ont tous les deux la CA. Et Ken qui a su mourir sans utiliser son V-Trigger. C'est complètement dommage. Ouais, mais là, la stratégie de Léo c'est exactement la même que contre Vega. Comme il sait que le potentiel offensif de Link et Xelo surtout au corps à corps avec des chop SP, des frame trap à tout va, des 3 frames en anti-saut. À la relevée, bref, tout est quanti. Eh bien, Junalo n'a pas d'autre choix que d'attaquer et de presser son adversaire. C'est pour ça qu'il est très dynamique et qu'il attaque et qu'à la moindre erreur, au moindre Okizeme qui n'est pas en sa faveur, donc en défensif, eh bien, c'est malencontreux pour lui. Mais voilà, il se retrouve dans une situation assez compliquée pour s'en sortir. En tout cas, en voilà ici une seule ouverture et ça fait mal à la barre de vie avec la super en V-Trigger et qui fait mal, mais ce n'est pas terminé. Il reste de la vie, ça fait du Dragon YX sans prévenir, comme ça. Le mec, comme ça, il décale ses dragons. Il ne prend pas. Si, en fait, il prend des risques, mais il avait plus rien à perdre. Oui, il ne pouvait pas mourir comme ça. Il avait toute sa super sur le moindre poke. Ça se jouait avec une confirme super. Là, il a décidé de cramer deux barres d'ex, donc il commence pas le deuxième match à poil. C'est plutôt bien joué de la part de Junior Léo, là, qui est un petit peu en difficulté là en début de round. Là, qui se reprend à crunch counter, qui est bien confirmé là par Link Xelo. Là, il n'y a rien eu. Là, il a pris un poke et après, il a rien fait du tout. Il a pas tapé. Du coup, Junior Léo, il en a profité pour reprendre l'aggro. Voilà, le petit gros point là qui essaye de zoner ou de provoquer des petits crushs. Hop là, le séismo direct. Ah, la barre de le vie. Dragon, la barre de vie qui s'en va. Et l'overhead l'a bien trouvé de Link et Xelo qui prend ce premier match face à Junior Léo. Très très serré là, les deux joueurs qui ont un niveau très comparable. Mais c'est pas terminé, c'est en FT3. Hein, non, c'est en FT3, rien n'est joué d'avance. On peut toujours à counter pick. je ne pense pas, je crois qu'ils ont des persos fixes, mais on est à l'abri de rien. Allez, voilà, donc début là du ce premier match, la petite entière de Nekali directement là. Ensuite, il vient trouver la chope là, Ken. Voilà, la confirme la 5 hit avec le gros dragon là qui fait très très mal, le séismo qui met Ken à terre. Derrière Link et Xelo là qui garde bien le pressing. Hop là, encore une chope EX là, ça va chercher encore un dragon, ça remet dans le corner. Voilà, les bonnes confirmes en 3 hit. Le stun qui commence à monter dangereusement, il se reprend une chope, il redash dessus show et là Link et Xelo, il sait pas. Il s'est fait schnapser justement en se bouffant le dragon ex de Junior Léo. Ils ont tous les deux des pseudos en haut, donc je les confonds un petit peu. Xelo et Léo. Voilà. Et on va les appeler Nekali et Ken, ça ira plus vite. Et Nekali du coup qui prend ce premier round. Qui prend ce premier round et encore une nouvelle fois Junior Léo qui prend des risques pour sortir du pressing complètement imposant de Nekali. Et donc regarde les risques encore une nouvelle fois, les dragons EX à la relevée, mais que se passe-t-il? Voilà des dragons par-ci et par-là, ils sont tellement généreux et encore un dragon EX avec Link Xelo qui a sa balle de match pour ce deuxième non, il y a pas 2-0 normalement. Non, il y a 1-0 pour l'instant. 1-0. Attends, j'ai l'impression qu'il y avait déjà deux matchs qui se sont. Non, ça allait très très vite, mais ouais, pas à ce point-là non plus. Voilà, bonne autant pour moi. Et là, autant ça va être terminé. Là, le séismo, là, après le gros pied, là, en crush counter. Link et Xelo, là, qui est très très fort, là, sur ce deuxième match-là. C'est surtout qu'il faut dire qu'il est très solide et il saute pas pour rien. Il force Junior très Léo peu à aller en défense et à prendre des risques, et c'est payant. Et parfois, il fait du Link Xelo, c'est-à-dire sans prévenir, sans créer garde, il fait de la magie jaune qui part dans les airs et qui le rend invincible avec sa mana, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, ouais.
faire gaffe de, non plus pas tomber à court justement de cette mana. En tout cas là pour l'instant là c'est plutôt bien parti là pour Link Exelo là qui va quasiment chercher le stun avec cette overhead là sur le Ken. Voilà le saut gros point. Ensuite le confirme avec le Seismo, hop là là tu mets Lex, tu remets Ken qui est dans le coin. Attention, va falloir faire très attention parce qu'on a perfect. Ce serait complètement dommage. La Ken qui a dashé directement le crush counter avec le Tatsu. Voilà, ça rend fou. Tatsu directement là, Link Exelo là. Le mettre très très loin là, ça te fait te balader. Hein. Tu prends un gros Tatsu de Ken, tu fais la moitié du terrain. Ouais, tu vois, c'est ça. On dirait Olivier Tom. C'est très très un fort. Épisode et demi pour faire un Tatsu. Allez hop, balle de match pour Link Exelo. Junior Léo qui est complètement dépassé, hein, j'ai envie de te dire. Avec Link Exelo qui trouve les ouvertures là sur le moyen pied qui a été whiffé. Là, target combo confirmé avec le dragon. Et un dragon en représailles de la part de Link Exelo qui chope à la relevée. Et ouh, j'ai cru qu'il allait le faire une troisième fois avec le bas moyen point qui est positif avec le V-trigger derrière qui permet à Junior Léo cette fois-ci de coincer dans les cordes à droite. Le Link Exelo. Attention, Junior Léo qui avait sa super, qui avait sa max. Et attention, la barre de vie, ça sent l'overhead. Non, il n'y a pas d'overhead. Et le dragon. Non, le Tatsu qui whiff. L'overhead qui whiff. Et le bas moyen point qui touche. Les